quelle est la différence entre la chômère et l'école? La chômère, pour moi, c'est plutôt c'est ma famille, et l'école, c'est plutôt on travaille un peu plus, et la chômère, même si on travaille pas, on apprend un point. Disons qu'à la chômère, c'est beaucoup plus amusant car on met une ambiance, tout ça. Or, à l'école, on fait que bosser, du coup, c'est moins gay. J'aime bien être à la chômère parce que je suis plus libre et je me sens mieux parce que j'ai plus d'amis, je suis plus rapprochée, donc ils sont de la même religion. Dès que je vais à la chômère, je sors du monde réel, mais pas totalement. Enfin, il n'y a pas de mensonge à la chômère, c'est-à-dire que on cache pas ce qui se passe dans le monde réel, comme toutes les guerres, les enfants maltraités, l'inégalité homme-femme. Il y a plein de choses qu'on fait à la chômère que je ferai au collège, comme débattre sur des débats politiques, parce qu'au collège, c'est des conversations beaucoup moins engagées. On est entre nous, on est en famille. Il y a une atmosphère qui est très différente. Il n'y a pas ce côté très disciplinaire, très rigide qu'il y a à l'école. Et il n'y a pas non plus ce côté qu'il y a beaucoup à l'école française de les élèves sont nuls et toujours les dénigrer. À la chômère, on essaye de porter la jeunesse. Et je trouve que c'est très important de pas dénigrer les jeunes, mais au contraire de les faire grandir en les poussant vers le haut et non pas en les repoussant vers le bas. Chaque camp de vacances est organisé autour d'un thème. Quel est le thème de cet été? Le thème, c'est la chômère d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Et donc on présente un peu la chômère, qu'est-ce que ça a été et qu'est-ce que ça doit être. Enfin justement, on les fait réfléchir sur qu'est-ce que ça pourrait être plus tard. Et donc on parle de l'histoire de la chômère, tout en rappelant les principes fondamentaux de la chômère, les piliers de la chômère. Les valeurs, les rituels de la chômère, c'est quoi leur but. Et on essaie de faire réfléchir sur notre histoire et sur comment est-ce que la chômère a évolué et sur comment est-ce qu'elle doit évoluer encore dans le futur. Quel combat et quelle cause Achomer Atsayer soutient-elle? La chômère, en fait, elle est très présente sur toutes les questions d'actualité en général. Sur tous les débats qui font polémique, on est vraiment très présent et on essaie de faire réfléchir les Hanirim, donc les enfants, à tout ça, à tout ce qui concerne les enjeux de la société actuelle. On est socialiste, on est contre les inégalités, on est féministe, même les garçons. Aujourd'hui, moi, je suis très fier qu'on est une des seuls mouvements avec la seule jeunesse qui lutte contre le racisme, contre l'antisémitisme, contre l'islamophobie, pour les droits des femmes, pour les droits des gays, en essayant d'être sur tous les terrains et lutter contre toutes ces injustices. Je pense qu'on donne aux jeunes la maturité et la responsabilité qu'ils ont besoin pour être les meilleurs adultes. Achomer Atsayer en hébreu veut dire la jeune garde. Les membres du mouvement sont donc de jeunes gardiens. Mais des gardiens de quoi ? Je pense qu'aujourd'hui, dans la société où on vit, il y a énormément de défis pour la jeunesse et pour les adultes. Et en fait, nos jeunes aujourd'hui sont dans une situation où on leur dit tout le temps quoi faire, comment penser, les études qu'ils doivent faire, les décisions qu'ils doivent prendre. Et en fait, la chômère aujourd'hui, à mon avis, comme quelqu'un qui a habité la plupart de sa vie en Israël, garde cet esprit de jeunesse, cette flamme qui donne aux jeunes leur place et leur parole, qui les fait grandir en leur préparant à la société, mais pas seulement pour être un citoyen, un bon citoyen qui paye ses taxes, qui a un bon métier, mais qui les prépare à être des bons êtres humains. Quelqu'un qui ne voit pas seulement lui-même, mais qui voit aussi d'autres personnes de sa société, ceux qui sont faibles, ceux qui n'ont pas la parole, ceux qu'on met à côté. Gardien de l'éducation du jeune par le jeune. Gardien de certaines valeurs. Gardien d'un état d'esprit, je suis très sérieux, qui n'existe plus aujourd'hui ailleurs qu'à la chômère. Un état d'esprit un peu collectif, un peu moins matérialiste, on va dire. On garde aussi un judaïsme humaniste, et ça c'est très important pour moi, de garder un judaïsme qui n'est pas pratiquant.
de garder un judaïsme qui est profondément culturel, de garder un judaïsme qui est expliqué, qui est discuté. Moi, je vois plus ça en mode gardien d'eux-mêmes. Parce qu'en soi, à la Chaumière, on se... Enfin, je sais pas comment expliquer, mais on se garde nous-mêmes. Chacun d'entre nous, on est là les uns pour les autres sans qu'il y ait d'adultes. Enfin, c'est juste nous, entre jeunes. Activités, laquelle est ta préférée? J'aime beaucoup les Rikudea. J'aime beaucoup les débats en Péoula parce que ça permet à chacun dans la Shirfa d'exprimer ses idées. Comment la Chaumière peut toujours prôner une solution à deux États alors que pendant ce temps-là, par exemple, aujourd'hui dans l'année 2000, il se passe des choses comme les intifadas, les intifadotes, où les Palestiniens lancent des pierres et font des attentats. Et alors que les Palestiniens ne reconnaissent toujours pas l'État d'Israël. Le matin où il y a la Péoula. Parce que c'est trop bien, ça nous apprend des choses. Parfois la Péoula elle est marrante, parfois elle est hyper bien. Parfois elle peut être ennuyante, mais au moins ça nous fait apprendre des choses. Parce que la Chaumière c'est pas que fait pour s'amuser, c'est aussi pour apprendre. Pour chaque camp de vacances, l'équipe d'animation organise un oneg, une représentation liée au thème général. De quoi traiter l'oneg de ce camp? L'oneg était centré sur le personnage d'Henri Bulavko, qui est le créateur de notre Ken d'aujourd'hui. Car Henri Bulavko a survécu à la Shoah. Et a créé le Ken donc, suite à la Shoah en 1949. Et donc notre but c'était de montrer qu'il fallait toujours, la morale de l'oneg en général, c'était de montrer que à la Chaumière c'était le jeune par le jeune et que le grand protégeait le petit et que c'était en gros un madrir donne ce qu'on lui a donné, ce que son propre madrir lui a donné. Donc en gros c'était ça la morale de l'oneg quoi. Plus la résistance, le devoir de mémoire qui s'incorporait un peu au début et à la fin. On va le prendre, impossible, c'est trop dangereux. Trop dangereux. Bien sûr qu'on va le prendre, écoute. Cet enfant, il nous a appris ça à la Chaumière. On doit le sauver, c'est les valeurs que la Chaumière nous a appris. Écoute, moi je pense que si Joseph, il avait été là, il nous aurait dit de le prendre. Ça s'inscrit dans les valeurs et l'histoire de la Chaumière parce que ça montre le rôle du madrir par rapport à l'enfant. Montrer que c'est que le but premier du madrir, c'est la sécurité de l'enfant. Et montrer que quoi qu'il arrive, le madrir il se dévoue à l'enfant. Et ça s'arrête pas que au Ken, en gros, que le madrir il est là pour l'enfant. Qu'est-ce que le Café Dilemme? Quel est le but de l'activité? Le Café Dilemme, c'est un truc très important pour la Chaumière, puisqu'en fait, on pose des questions au Hanichim sur des sujets polémiques, souvent en rapport avec le thème. Nous, notre but, à ceux qui gèrent, à ceux qui contrôlent le Café Dilemme, c'est d'essayer de répondre à chacun de leurs arguments en les cassant, et en les déformant et en essayant de leur répondre, etc., pour que justement ils aillent plus loin, ils aillent toujours plus loin dans leurs analyses et dans leurs pensées et dans leur esprit critique surtout, parce que c'est ça le but de la Chaumière. Moi je pense qu'il n'y a pas besoin de faire son alia pour être sioniste. Ah bon? Ouais. Alors c'est quoi être sioniste? Être sioniste c'est défendre l'État d'Israël, enfin l'existence de l'État d'Israël. Et donc pour vous, on est pleinement sioniste alors qu'on habite en France? Ouais. Ou l'aboutissement du sionisme, c'est pas forcément vivre en Israël? Moi j'avais un stand en particulier, c'était le sionisme. Et donc le but de mon stand c'était en gros de me faire réfléchir sur est-ce que c'est une bonne idée ou pas de faire l'alia? Est-ce qu'aujourd'hui, à la Chaumière, encourager l'alia, ça doit être notre priorité? Ou au contraire, encourager le fait de se battre contre l'antisionisme en France, de préserver la diaspora, etc. C'était aussi plus important. Alors maintenant, moi, je vais vous dire un truc. Ce que je vous sors là, c'est pas moi qui l'ai inventé. C'est connu que le sionisme, ça a été créé en 1896 par un homme qui s'appelle Théodore Herzl. L'État juif, qu'est-ce qu'il dit? L'État juif, il dit tu fais ton alia, tu pars vivre en Israël, et à ce moment-là, t'es sioniste. Tu pars vivre en Israël, tu aides la construction d'Israël, et à ce moment-là, t'es sioniste. Ah, donc ça a évolué le sionisme? Bah, à ce moment-là, l'Israël n'était pas encore créé. Hein? Donc il fallait bien des personnes pour le créer. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de ce genre de gens. Bah, actuellement, il est créé, il s'est quand même bien entendu.
Il n'y a pas de problème, j'ai des témoins par exemple, on a un cousin très à droite, je pense que le judaïsme, s'il n'y a pas un minimum de pratique, on n'est pas juif. La chômère n'est pas juive. C'est un vrai truc. Hein. La chômère n'est pas juive puisqu'on n'a aucune pratique religieuse. Je finis, attends. Le judaïsme, le fondement du judaïsme, c'est la Torah. On est d'accord ou pas là-dessus? C'est la Torah. Sans, sans le judaïsme, sans la Torah, il n'y a pas de judaïsme. Il n'y a pas de juif. Donc, si on si ne respecte pas les commandements de la Torah, c'est-à-dire qu'on n'est pas juif. À la chômère, il y a zéro pratique, on est d'accord là-dessus. Quoi. Est-ce qu'il a sa place à la chômère? Est-ce qu'il peut et alors retransmettre des choses dans lesquelles il ne croit pas? Donc c'était vraiment très consistant ce cafigème là. Et on est très fiers de l'avoir fait réécrire parce qu'on pense que c'était vraiment des questions importantes. Qu'est-ce que tu retiens de ton parcours à la chômeur? Je retiens de mon parcours, c'est que je ne sais pas comment j'aurais pu kiffer ma vie sans ce parcours, franchement. Parce que, enfin, je sais pas, genre ça te donne un but, ça te donne un but dans ta vie. Je pense que sans la chômeur, ma vie elle aurait été beaucoup moins intéressante. Ce que je me dis, en fait, sans la chômeur, je serais devenue totalement une autre personne. Parce que je vois les gens de mon entourage à l'extérieur et les gens à la chômeur. C'est beaucoup plus responsable. C'est ça, on nous donne des responsabilités ici, on devient beaucoup plus autonome. Et à la chômeur, on fait des choses qu'on fait nulle part ailleurs. La chômeur, ça nous a vraiment aidé à nous construire. Ça nous a apporté beaucoup, beaucoup de choses, que ce soit de la maturité, de la responsabilité, beaucoup de valeurs, des connaissances. Et je pense que sans la chômeur, en tout cas, on serait des personnes vraiment complètement différentes. Quand on raconte ça à une personne qui ne connaît pas la chômeur, qui ne connaît pas ce monde, qui n'a pas vécu dedans, ça paraît impossible en fait. C'est vraiment propre à la chômeur. Bon, c'est un peu la cliché, mais c'est l'amour. Parce que l'amour entre les personnes, c'est un truc qui comble tout. Ça comble le respect, ça comble la façon que tu traites l'autre. C'est en fait le primordial. Il faut qu'on s'aime, il faut aimer. Il faut donner aux enfants de l'amour, il faut donner à tes bogrim de l'amour, à tes rachim, et l'inverse, parce que c'est comme ça dans un mouvement de jeunesse. Après, au niveau d'un mouvement de jeunesse qui est politique et engagé, je pense que le temps que les bogrim, le temps que les animateurs, les adhérents du mouvement gardent les trois piliers du mouvement, le socialisme, le sionisme et le judaïsme, je pense que on va toujours exister.